Laudetur Jesus Christus, bonjour à tous, il est 16h, dans un quart d'heure à Rome. Delphine Allaire avec vous. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent via le réseau EWTN et sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site internet www.vaticanews.va. Je suis aujourd'hui avec vous pour commenter la prière du pape à l'Immaculée Conception, le pape qui s'est déplacé place d'Espagne à Rome, une des plus belles places de la ville éternelle, pour rendre hommage à la Vierge Marie en cette solennité de l'Immaculée Conception, dimanche 8 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Sur cette place d'Espagne où le pape François se trouve actuellement, se trouve cette colonne de l'Immaculée Conception, en hommage donc à cette solennité qui a été instituée chaque 8 décembre. Et l'Immaculée Conception est un dogme qui a été promulgué par le pape Pie IX. C'était le 8 décembre, donc 1854. Cela nous rappelle que Marie est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance. Marie a été conçue sans péché. Le pape François qui se recueille, le pape François qui a salué à son arrivée la maire de Rome, Virginia Raggi, de nombreuses autorités civiles sont présentes sur la place pour cette célébration traditionnelle chaque année à Rome, chaque 8 décembre, car c'est aujourd'hui que cette fête est célébrée en Italie. Le pape est actuellement en train de se recueillir au pied de la colonne, avec également à ses côtés le cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le pape commence sa prière. Santa Maria. Des chants résonnent sur la place afin de rendre hommage à la Vierge Marie. Et ce sont les hommages floraux qui vont débuter. C'est la coutume, des fleurs sont déposées au pied de la colonne de l'Immaculée Conception, chaque 8 décembre, place d'Espagne. Nous voyons un premier bouquet de magnifiques fleurs blanches est déposé. Alors le tout, la place d'Espagne, plus précisément la place Mignanelli, qui est un côté de la place d'Espagne, est noire de monde, hein, beaucoup de fidèles romains, beaucoup de citoyens romains, et aussi d'organisations professionnelles diverses. Madre sempre vergine, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore. Nous écoutons le chant marial. Madre ammirabile. Sous le regard des fidèles romains et des représentants du corps de l'armée, de la marine et divers autres donc corps professionnels, de nombreuses entreprises de Rome, entreprises de transport public, d'électricité, les employés de la mairie de la ville de Rome présentent aussi leurs hommages à la Vierge Marie. Santa Maria, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi.
cine degna d'onore. C'est le cardinal Angelo Di Donatis, le vicaire du pape pour le diocèse de Rome, qui accueille le Saint-Père sur cette place d'Espagne, aux pieds de la Vierge. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, la nostra gioia. Et alors que la foule continue d'entonner ce chant marial, nous apercevons également de nombreux malades, et c'est-à-dire que c'est l'Union nationale italienne de transport des malades à Lourdes et dans les sanctuaires internationaux qui est cette année présente en force pour cet hommage. 100 personnes handicapés et plus de 150 volontaires de cette section romaine de l'Union nationale italienne de transport des malades à Lourdes. Rosa mystica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, appellations de la Vierge Marie, Reine des Cieux, sont déclinées dans ce très beau chant marial que nous pouvons écouter en ce moment. Tout à l'heure, le pape qui récitera la prière à Marie Immaculée sur cette place. Cette solennité de l'Immaculée Conception, je vous le disais, est un dogme depuis le 8 décembre 1854. C'est le pape Pie IX qui l'a ainsi déclaré dans la bulle Ineffabilis Deus. Le Saint-Père à l'époque avait affirmé cela
nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, préservé intact de toute souillure du péché originel. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. C'était l'agneau de Dieu. Maria Immacolata, ci raduniamo ancora una volta intorno a te. Ô Marie Immaculée, nous nous rassemblons autour de toi une fois de plus. Plus nous avançons dans la vie et plus notre gratitude envers Dieu augmente. D'avoir donné comme mère à nous qui sommes pécheurs, toi l'Immaculée Conception. De tous les êtres humains, tu es la seule préservée du péché. Comme mère de Jésus, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais ce singulier privilège qui est le tien t'a été donné pour notre bien à tous, tes enfants. En fait, en te regardant, nous voyons la victoire du Christ, la victoire de l'amour de Dieu sur le mal, là où le péché abondait, c'est-à-dire dans le cœur humain, la grâce a surabondé par la douce puissance du sang de Jésus. Toi, Mère, rappelle-nous que, oui, nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Ton Fils, avec son sacrifice, a brisé la domination du mal. Il a vaincu le monde. Ton cœur clair comme le ciel, où le vent a dissous tous les nuages, raconte cela à toutes les générations. Et ainsi, tu nous rappelles qu'être pécheur et être corrompu, ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Tomber et ensuite se repentir, se confesser et se relever avec l'aide de la miséricorde de Dieu est une chose. La connivence hypocrite avec le mal, la corruption du cœur, qui à l'extérieur s'affiche impeccable, mais qui à l'intérieur est plein de mauvaises intentions et d'égoïsme est une autre chose. Ta pureté claire nous appelle à la sincérité, à la transparence, à la simplicité. Nous avons tant besoin d'être libérés de la corruption du cœur, qui est le plus grave danger. Cela nous semble impossible. Tant nous sommes addicts, et pourtant c'est à portée de main. Il suffit de regarder vers le haut, vers ton sourire de mère, vers ta beauté immaculée, pour sentir à nouveau que nous ne sommes pas faits pour le mal, mais pour le bien, pour l'amour, pour Dieu. Pour cela, ô Vierge Marie, aujourd'hui je te confie tous ceux qui, dans cette ville et partout dans le monde, sont opprimés par la méfiance, par le découragement à cause du péché. Ceux qui pensent qu'il n'y a aucun espoir pour eux, que leurs fautes sont trop nombreuses et trop grandes, et que Dieu n'a pas de temps à perdre avec eux. Je te les confie, car tu n'es pas seulement une mère, et en tant que telle, tu ne cesses jamais d'aimer tes enfants, mais tu es aussi l'Immaculée, pleine de grâce, et tu peux refléter jusque dans les ténèbres les plus épaisses un rayon de lumière du Christ ressuscité. Lui, et lui seul, brise les chaînes du mal, libère des addictions les plus avides, des liens les plus criminels, adoucit les cœurs les plus durs. Et si cela se produit à l'intérieur des personnes, alors le visage de la ville change. Dans les petits gestes et les grandes décisions, les cercles vicieux deviennent progressivement vertueux. La qualité de vie s'améliore et le climat social plus respirable.
Nous te remercions, Mère Immaculée, de nous rappeler que, par l'amour de Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais libres, libres d'aimer, de nous aimer, de nous aider comme frères, même si nous sommes différents entre nous. Merci de nous encourager par ta blancheur, à ne pas avoir honte du bien, mais du mal. Aide-nous à nous tenir à distance du mal qui nous trompe et nous attire vers lui dans des spirales de mort. Donne-nous le doux souvenir que nous sommes enfants de Dieu, Père d'une immense bonté, source éternelle de vie, de beauté et d'amour. Amen. Ainsi s'est conclue la prière du pape François à Marie Immaculée, en cette solennité de l'Immaculée Conception et le recueillement qui règne sur cette Signore sia con voi. Place d'Espagne. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che Dio ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figli, Spirito Santo. Voilà la bénédiction du Saint-Père après cette prière à Marie Immaculée, récitée sur cette place d'Espagne, emplie de fidèles et de diverses organisations venues rendre hommage à la Vierge Marie. François, qui avait, avant de réciter l'Angélus ce midi, place Saint-Pierre, déjà prononcé de très belles paroles sur Marie Immaculée. François est revenu sur la figure de la Vierge, pleine de grâce, d'humilité et de pauvreté. Sur ce oui de Marie, cette disponibilité à Dieu qu'elle possède et que nous devons tous prendre pour exemple. Le pape a évoqué le style de vie marial, empreint de discrétion et de service rendu aux autres. Marie est un chef-d'œuvre, mais elle reste humble, petite, pauvre, a souligné le pape. Car c'est en elle que se reflète évidemment la beauté de Dieu. Amour, grâce et don de soi. Ainsi est résumée la Vierge Marie à laquelle Rome rend hommage cet après-midi. Salut différents évêques, et là on aperçoit le cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Différents cardinaux et évêques se succèdent pour saluer le pape François. Ils sont présents par exemple représentation de diverses associations, corps civils et militaires. Salut le Saint-Père. Alors cette colonne à l'Immaculée Conception fait
12 mètres de hauteur sur cette place d'Espagne. Elle a été conçue par l'architecte italien Luigi Poletti. Une statue mariale en bronze se dresse en haut de la colonne, elle réalisée par le sculpteur Giuseppe Obici. Actuellement, le Saint-Père échange quelques mots avec la maire de Rome, qui a pris part à cet hommage à l'Immaculée Conception. Et alors, un petit espace a été dédié aux confessions derrière cette colonne de l'Immaculée Conception. Des prêtres sont disponibles pour les fidèles qui veulent obtenir le sacrement de la réconciliation en cette solennité particulière aujourd'hui au beau milieu de l'Avent, en ce début d'année liturgique également. Nous attendons la venue du Christ et c'est aujourd'hui sur sa mère immaculée que nous sommes concentrés. Le Saint-Père salue les Romains. De nombreux malades présents, je vous le disais, les religieuses. Donc il y a 100 handicapés que le pape prend le temps de saluer un à un maintenant. Belle Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Les Romains, les touristes, les pèlerins ont pu défiler sur cette place pour rendre hommage à la statue de la Vierge. Beaucoup de fleurs ont été déposées. Tous les corps civils, les pompiers, la police, la gendarmerie ont eux aussi rendu hommage à la Vierge Marie. Geste simple et humble à son image, à elle. De Sicile, de Sardaigne, le Saint-Père qui effectue une ronde sur cette place pour ne bien manquer personne. De ces personnes avec un handicap qui sont placées au premier rang devant leur religieuse infirmière
qui est mis en avant aujourd'hui. Marie, c'est la servante du Seigneur. Elle se rend disponible pour les autres, pour Dieu. Juste avant de réciter l'Angélus, qui met immédiatement tout son être et son histoire personnelle à la disposition de Dieu. Elle est la toute belle, la toute sainte. Bien que le Verbe s'est fait chair en elle. François, qui s'est juste avant rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure, avant de venir sur cette place d'Espagne pour prier la Vierge en cette journée. Basilique Sainte-Marie-Majeure, puis traditionnel acte d'hommage, ici au pied du monument à l'Immaculée Conception de cette colonne. Qui a prononcé une prière très forte à Marie Immaculée, qui a rappelé que être pécheur et être corrompu, ce n'était pas la même chose. C'est ce que la Vierge Marie nous dit. Nous avons tant besoin d'être libérés de la corruption du cœur. Là réside le plus grave danger. Mais il suffit de regarder vers le sourire de Marie pour sentir immédiatement que nous ne sommes pas faits pour le mal, mais pour le bien. Nous qui devons être pleins de gratitude d'avoir l'Immaculée Conception comme mère. Cette très belle prière à Marie Immaculée sera bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Et voilà le pape François qui a achevé sa ronde de salut à tous les pèlerins, les organisations professionnelles, les malades présents sur cette place d'Espagne pour ce bel hommage à l'Immaculée Conception. Ainsi s'achève pour nous cette retransmission. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les actualités du Saint-Père, du Vatican et de l'Église universelle sur notre site internet. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous pour vivre ce beau moment sur les réseaux sociaux ou internet. Et je salue une nouvelle fois les auditeurs de EWTN. Excellente fin de journée à tous. Au revoir.
Non capable, non capable.